Cette musique me donne envie de faire la teuf. <laughs> Comme ça ne m'étonne pas, ah machin. Bah de retour sur le plateau et. Euh... Avec notre dernier assaut. Et oui, c'est la dernière, dernière du, du week-end. Et voilà. oui, dernière Tout du week-end de, de, ce, de ce Game Made in France. Et pour nous parler de l'assaut Afro Gameuse, nous recevons deux personnes. Teninke Kamara, qui est CEO et Creative Director. Oui, bonjour. Tu vas bien Oui, ça va. Ça, ça va très bien. Merci. Top. Et Jennifer Luffault, qui est présidente d'Afrogameuse. C'est ça. Première Hello. fois, d'ailleurs. Oui, ouais, première ouais. fois que, que je me retrouve sur Games Made in France euh, avec plaisir. Ah bah, Donc avec, merci pour l'invitation. Avec très grand plaisir. Euh, bah, tu vas pouvoir peut-être commencer à nous parler d'abord de l'association, je pense, en général, de ce que vous ouais. faites, etc. Bien sûr. Euh, bah, pour commencer, je pense que Afrogameuse, euh, ça parle déjà pas mal. Ouais. <laughs> ça donne un petit indice sur qui on est et ce qu'on fait. Bien sûr. Mais globalement, c'est une asso qui a déjà deux ans, euh, qui est née euh, en plein confinement. Et euh, notre objectif euh, c'est moi qui l'ai lancé au départ parce que euh, j'avais envie de trouver d'autres joueuses en fait euh, qui me ressemblaient mm -hmm. euh, et j'avais envie de jouer avec elles aussi tout simplement parce que je croisais pas tous les jours à, à tous les coins de rue et euh, j'ai lancé cet assaut au départ euh, euh, qui était juste un compte Instagram pour ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment devenu une association assez euh, engagée qui a envie de voir plus de représentation, plus de représentativité dans les jeux auxquels on joue, mais aussi dans euh, les métiers euh, du jeu vidéo, voir plus de personnes euh, issues de tous horizons, en fait, qui vont pouvoir travailler dedans, mais aussi sur Twitch. Donc euh, là, on est sur Twitch, donc j'en je, profite pour rappeler qu'on est également présente sur Twitch, on fait un gros travail. Euh, notamment de mise en avant de streameuses afrodescendantes Et euh, l'objectif, c'est tout simplement qu'on puisse voir euh, des profils qu'on qu ne voit pas d'habitude, en fait, ouais. euh, qu'on en voit un peu plus et que bah, d'autres personnes puissent aussi s'identifier et euh, pourquoi pas apporter à leur tour leur pierre à, à l'édifice. D'accord, donc ça a commencé sur Instagram ouais. et après, vous avez fondé l'association Loi 1900 Exactement. D'accord. C'est ça, c'est comme ça que ça a, pris, ça a pris lieu et en fait, avec, à ma grande surprise, lorsqu'on a lancé le projet sur les réseaux sociaux, il y avait beaucoup de gens, aussi bien des gamers, des joueurs, des joueuses, que des non-joueurs et joueuses, mm -hmm. tout autant que des personnes qui travaillent dans l'industrie, qui avaient envie en fait de voir les choses évoluer et qui ouais. ont apporté leur soutien et qui ont bah, donné un coup de pouce pour que le projet se concrétise. Donc c'est vraiment un effort collectif, c'est grâce à un petit peu tout le monde que l'association s'est créée. Vous êtes situé un peu partout en France, ou c'est euh, ouais, vous avez un bureau quelque part On n'a pas encore de bureau. C'est un objectif, <laughs> un goal pour bientôt. Mais... Vous avez commencé pendant le Covid, donc, Exactement. Euh, oui. <laughs> non, petit pas, voilà. mais ça va petit à petit. Mais euh, mais oui, oui, c'est euh, on a un peu plus de 400 personnes dans l'association maintenant, avec Quand même. des personnes qui sont effectivement basées en France, mais en fait nous on vise la francophonie. D'accord. Euh, donc on a des personnes en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, en Afrique francophone. Et euh, les oui. ouais, dans les dom toms évidemment. Euh, donc euh, vraiment, c'est une association qui est ouverte à tout le monde. Okay. Donc, toute personne qui soutient la cause peut rejoindre. Et euh, notre objectif, c'est vraiment ça, c'est d'apporter cette, cette, cette ambiance inclusive, mais tout en donnant la possibilité à toutes les personnes qui ont envie aussi euh, de, de s'engager là-dedans, de pouvoir apporter leur pierre à l'édifice. Super. Bah, écoute, c'est très, très clair. Euh, vous, euh, vous faites aussi des conférences. J'ai vu passer une conférence de Game Camp, notamment. Ouais. Tout à fait. Bah, on participe à plein de choses. Hein. Euh, ouais. on, a, on a pas mal d'actions, déjà, euh, depuis euh, ces deux dernières années euh, où on existe. Euh, on, on organise nous-mêmes des événements. Donc, okay. Par exemple, sur Twitch, euh, pendant le mois de mars, on va faire un gros event qui s'appelle Gaming Queens. Okay. On va inviter plein de femmes qui travaillent dans le jeu vidéo ou qui sont streameuses ou qui créent leurs jeux euh, pour qu'elles viennent parler de leur métier, de leur parcours, etc. On a effectivement été euh, au Game Camp où euh, on parlait de la place des héroïnes noires dans les jeux vidéo aussi. Euh... Ils sont assez faiblement nombreuses. Faiblement nombreuses, oui. nombreuses tout à fait. Cependant, elles existent. Oui. Euh, donc euh, le, le fait de, de ne pas nier leur existence, mais plutôt de dire comment est-ce qu'elles elles apparaissent en fait mmh, dans oui. ces jeux-là Est-ce que euh, les enjeux, c'est euh, que souvent, ça va être effectivement des personnages secondaires. Ça ne va jamais vraiment être des, des love interest. Euh, ça va être parfois des personnages un peu stéréotypés aussi. Mmh. Donc, c'est un peu mettre en visibilité ces choses-là pour qu'on puisse faire mieux globalement. Ouais, OK. Très bien. Bon, bah écoute, <laughs> super. C'était extrêmement clair. Euh, alors, Téninke, oui, du coup, est-ce est que tu peux bah, nous parler voilà, de, ton, de ton studio Qu'est-ce que tu fais au sein de ce studio ça... d'où c'est venu Alors de base, donc pour parler un petit peu de moi, c'est que je suis de base en fait sound designer, et motion designer. Okay. Et jeux vidéo, ça a toujours fait partie de, des choses en tout cas que je voulais créer un jour. Et tout simplement avec ma petite sœur. Donc j'ai pas monté à l'origine du studio. En tout cas, c'est moi et ma petite sœur. Donc j'en parlerai. Mais euh, du coup, on a monté le studio. On a monté Blind Band Studio justement pour traiter, pour pour, pour, pour militer justement pour plus de représentativité pour avoir des jeux tout simplement plus divers et plus inclusifs. Donc, euh, on l'a monté il y a un an, au, au, mois de, au mois de juillet 2021. Et en fait, euh, nous, le, le, ce qu'on veut en tout cas, clairement, on, on se position, fin, ce qu'on veut en créant ce studio-là, c'est vraiment se positionner en tant que rôle modèle aussi. Euh, comme enfin comme l'association en tout cas le, le, le font très bien déjà, nous aussi, on veut inspirer en fait, le, le plus de monde possible, des personnes issues des... Des, voilà de, de la diversité on va dire les minorités ethniques euh, les personnes en, en situation de handicap et les personnes LGBT euh, voilà. on, veut vraiment tout, on veut vraiment inciter tout le monde en fait, à vouloir créer un jour soit du contenu jeu vidéo soit mmh. faire partie en tout cas d'un sujet peu importe mais on considère que le portfolio a besoin de ça aujourd'hui pour vraiment innover et pour vraiment offrir en tout cas un portfolio qui qui correspond en tout cas à ce que la majorité demande aujourd'hui en tout cas mmh. voilà du coup, votre studio, euh, comme, comme tu le disais, est tout jeune mmh. et vous êtes déjà en train de travailler donc, euh, sur, un, sur un projet. Est-ce que tu peux nous en dire oui. un petit peu plus Alors, euh, notre premier projet, justement, on met en, en situation, en tout cas, c'est un road trip narratif. Euh, qui joue <laughs> Elle a bien, dit road trip, pas... <laughs> c'est bon. <laughs> non, mais du coup, c'est un, un road trip narratif dans, dans lequel en fait on va incarner une personne, une jeune femme en tout cas, atteinte d'albinisme. Ouais. Une jeune femme atteinte d'albinisme et son camion de fortune. Donc, dans, le but, dans son but, en gros, c'est tout simplement d'atteindre en tout cas ce qu'on va appeler son Eldorado, justement pour améliorer son quotidien, puisqu'elle vit en tout cas dans des conditions enfin, voilà, climatiques et économiques assez difficiles. Ouais. Donc, du coup, tout simplement, l'objectif principal en tout cas, ça va être d'atteindre cet Eldorado. Sauf que dans un monde, en tout cas dans un univers d'après-guerre, on va dire, où il y a très peu de ressources. Euh, où euh, les, les personnes, en tout cas, se regroupent en une espèce de faction, en tout cas, pour survivre, euh, notre personnage, en tout cas, va être confronté à son stigmate. Alors, je ne sais pas si je dois définir ce qu'est l'albinisme, peut-être. Au aussi, ça peut être intéressant. Il y a peut-être des gens qui Parce sont... Parce qu'on a, on a oui. forcément des clichés un petit peu en tête. Voilà. C'est vrai que, finalement, moi, je pense que beaucoup ne, ne savent pas exactement euh, ce que c'est. Euh... Alors, l'albinisme, du coup, y a, on peut dire qu'il y a plusieurs catégories, en tout cas, d'albinisme. Mm -hmm. Notre personnage a un albinisme total, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, ça se traduit par une absence, en tout cas, de mélanine au niveau de la peau, des cheveux et des yeux. Donc, ça, elle, elle a la peau, en tout cas, très claire, euh, les cheveux très clairs, les yeux très clairs, alors qu'elle est censée être noire, entre guillemets, tout, tout simplement. Et en fait, il faut savoir que dans la vraie vie, euh, les personnes atteintes d'albinisme souffrent, en tout cas, d'ostracisme. En tout cas, dans, dans, dans la société, on, on a tendance à très vite les mettre de côté parce qu'on comprend mal, en tout cas, cette maladie oui. rare, cette condition rare. Et dans certains pays, euh, dans certaines parties, en tout cas, du monde, euh, c'est quasiment en fait leurs droits humains qui sont vraiment mis à, 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 à mal, voilà, à, vraiment à mal. Donc, enfin, ça peut tout simplement dans certains pays, en tout cas, d'Afrique. Euh, et là, il y a, bien sûr, il y a de, enfin, voilà, il, y a, il y a de l'amélioration, bien sûr, autour de ça. Mais on prend, ça consiste, par exemple, tout simplement à découper leurs membres et penser qu'on peut faire, enfin, voilà, des, des, des espèces de, de médicaments, en tout cas, miracles pour guérir de toutes sortes de maladies. Donc peu importe en tout cas les personnes atteintes d'albinisme dans le monde entier en tout cas pas, ça ne concerne pas juste une ethnie, ça touche globalement toutes les, toutes les groupes, tous les groupes ethniques et c'est des gens en gros qui, qui, voilà, qui souffrent en tout cas de, de qui sont discriminés en tout cas en général dans la société que vous avez voulu mettre, euh, mettre en avant euh, dans le jeu. Euh, oui. au, au niveau euh, un, un peu plus précisément du jeu, on est sur quoi On est sur, on est sur un, un futur proche, un peu oui. dystopique Parce ah. que ce que tu me disais, ça, ça me faisait beaucoup penser un peu à Mad Max, dans cet voilà. esprit bah, un peu dévasté. C'est un peu ça. Euh, bah, tout simplement, on prenait le monde d'aujourd'hui, ouais. vous mettez plus de guerres, plus de catastrophes naturelles, là. et voilà. Est voilà. Bon. On est déjà est là pas mal. Voilà, ouais. aïe, aïe. on est fait pas, est pas trop... Est pas trop voilà. <laughs> on y, on y a est a presque, quoi <laughs> et euh, voilà, Dans l'idée, on est plus enfin voilà, on, 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 va, on va pas forcément dire que c'est un futur proche, mais quand même, mm. on est déjà dans cette enfin euh, voilà, on, est, on y est déjà oui, et on va pas. juste considérer que le monde de bas de frontière, c'est ça a empiré. Oui. Euh, les gens en fait survivent, les gens, euh, tout le monde est concerné maintenant par euh, le fait de tout simplement bouger pour améliorer son quotidien. Et dans ce monde-là, en fait, où il y a très peu de ressources. Votre personnage, qui a, qui a, qui a atteint d'albinisme va être confronté à ces stigmates. Ouais. Donc, il va être confronté à des groupes euh, sociaux, en tout cas tout simplement, où euh, voilà, tout il va devoir, euh, euh, le, le elle va devoir en tout cas toujours euh, uh, fit quelque part, enfin euh, voilà, con convenir quelque part aux groupes sociaux si elle veut obtenir des ressources ou si elle veut euh, tout simplement progresser. J'ai peut-être ouais, pas ouais, été claire non, dessus, non, non, mais oh, ouais, le joueur, aussi. en tout cas, le joueur ou la joueuse, progresse sur deux phases de, de jeu. Donc, ah. en, sur la route, enfin, le but, en gros, c'est vraiment d'avancer jusqu'à l'Eldorado. Ouais, mais hein. du coup, aussi, il va falloir faire des arrêts, des stops, où il va falloir faire le plein de ressources. Il va falloir faire attention à son camion aussi de fortune qu'il va falloir ah. pâtir et réparer. Et tout ça, ça demande à ce que... C'est des ressources, en tout cas, qui sont difficiles à trouver dans l'univers. Il faut négocier que, coup, voilà, avec des gens. Il faut négocier ah. avec des gens, mais il faut, voilà... C'est faut ouvrir. Ouais. narration et aussi aspect gestion. Alors. Voilà, un ouais. tout petit aspect gestion, C'est l'aspect gestion c'est plus pour apporter du challenge ouais. par rapport au choix en tout cas qu veut, dont le, que le joueur ou la joueuse aura à faire tout au long oui. du jeu. Donc en termes de gameplay, on, on doit s'attendre à quelque chose plutôt où euh, on va faire des choix au niveau des dialogues. Oui, mais pas que... En fait, okay. c'est un peu plus complexe que ça. Mais euh, on s'inspire, alors je ne sais pas si je peux en dire plus là-dessus, mais pour ne pas, pas trop perdre tout le monde, on s'inspire aussi tout simplement de l'écrit d'un sociologue en fait, qui s'appelle Erving Goffman, okay. qui a écrit sur les stigmates et les, les usages. En fait. Donc le but, en gros, c'est aussi de travailler sur des interactions pas plus avoir des pas juste avoir des choix en fait où je décide oui ou non je le jette mmh. mais travailler en tout cas sur des interactions basées aussi sur le une chose on va dire de rejet okay. euh, qui fait que bah, voilà quoi tout simplement quand je vais interagir ce sera pas juste faire des choix mais ce sera faire attention à bah, la manière dont je me je enfin voilà la, la manière dont je suis habillée, la ouais. manière dont je j'interagis est-ce que je dis bonjour de la bonne manière est-ce que mmh. tout simplement c'est un peu vulgariser les rites d'interaction en, en société en fait dans la vraie vie oui, et de les mettre en tout cas dans le jeu Blind Frontiers je, je, je crois que vous avez une vidéo de oui. gameplay Oui. Ça, bah, la régie eh ben, vient oui. me le, le dire c'est un petit clip et du coup c'est voilà c'est bon, un prototype en tout cas c'est un clip ouais. du prototype qu'on a sorti déjà euh, depuis un moment là le jeu est beaucoup plus évolué mais déjà okay. ça vous donne une idée euh, ah, oui. de ce que ça fait. Ah, oui carrément ah, là, là vous pouvez y aller la régie Très, très <laughs> oui, on, faisait, on lui faisait remarquer <laughs> vos jolis commentaires euh, dans le chat. Merci, euh, Alors, le chat, euh, tout <rire> <rire> euh, je chat, C'est un plaisir. Vas-y, vas-y. Je j'étais euh, euh, vas vas ouais, euh, vas sur le point de vous demander, enfin de te demander. Le, votre studio est tout jeune, du coup. Oui, très jeune. Et euh, que, comment vous avez créé votre équipe pour, euh, pour faire ce jeu Alors, euh, en fait, moi, quand, quand on a commencé, euh, quand on a créé le studio, quand on a commencé avec le concept. Nous, dans l'idée, on voulait vraiment être accompagnés. Donc, du coup, Game Only, que vous avez reçu oui. Euh, oui, vendredi il il semble, deux, trois jours, oui. ont ouvert leur première incubation qui s'appelle Let's Go. Nous, oui, on a été la fait. première promotion. Et en fait, euh, le fait d'avoir de bénéficier, en tout cas, de, enfin de, voilà, de cette, de cette année d'incubation, nous, mmh. ça nous a seulement permis de vraiment, enfin de, voilà, de vraiment mettre un pied, en tout cas, dans l'entrepreneuriat. En plus, on était accompagné d'autres studios qui étaient tous différents, avec des projets tous différents mais inspirants. Enfin, de manière générale, en tout cas, on était, je trouvais qu'on était assez complémentaires. Donc, ça m'a permis, moi, d'un côté, d'apprendre beaucoup, en tout cas, de, de mmh, ces studios. Mmh. Et en même temps, euh, Game on a mis en place euh, des événements euh, qui étaient... Enfin, dernièrement, en tout cas, ça s'appelait Game on, Ouais, ça s'appelle Game on, Et du coup, ça ne ça permettait, en tout cas, ça permettait aux studios de, de la région euh, Auvergne-Renal, parce que du coup, le studio est lyonnais. <laughs> euh, de faire des recrutements et la plupart des recrutements en fait on les a fait euh, durant ces événements mais on a aussi recruté des personnes euh, on a aussi on, une personne en tout cas une personne clé euh, quand même <laughs> notre développeur <laughs> ouais. qui, qui est euh, issu de l'association la, la, Afro Gameuse donc on a vraiment ouvert les enfin voilà à ce moment là on a vraiment ouvert le, le recrutement et euh, c'était pas non plus, on n'était pas non plus dans une nécessité de dire on veut à tout prix une, une équipe diverse. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, le recrutement, le fait que nous on se positionne aussi, nous a apporté des, des talents en fait qui qui, qui sont. Enfin voilà, il y a une diversité dans l'équipe et on l'a pas vraiment cherché, mais en même temps on, ah. on l'a et on, on, on en est vraiment fier en fait. Elle est, elle est vraiment géniale cette équipe. Je vais voilà. l'équipe maintenant. C'est le petit coucou hein. un peu ah, petit peu timide. Ok, tu peux. Absolument. Chad, tu timides. Et um, ce, qui est, ce qui est aussi très intéressant avec votre projet, donc déjà, on a vu graphiquement cette, cette DA un peu dessinée, etc. Et, et ça m'amène directement à, 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 à l'autre sujet, mais c'est que vous avez apparemment d'autres projets. Oui, en cours avec ce jeu. Est-ce que tu peux nous en dire plus Alors, euh, en fait, en janvier de cette année, j'ai effectué en tant qu'artiste juste une résidence avec, euh, c'est l'institut de, de France, en tout cas, qui organise ça avec euh, le Ghana. Et en fait, on, avec un studio ghanéen qui s'appelle Letty Art, qui est un peu pionnier en tout cas du jeu vidéo en, 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 fin, en Afrique, en tout cas, euh, on a créé en fait une bande dessinée. En un mois, on a, enfin, voilà, écrit, Vraiment, c'était vraiment euh, très, très, voilà, c était, c était très très intense. <laughs> mais l'équipe était géniale, euh, vraiment douée. Enfin, voilà quoi. le Eram, euh, donc du coup, euh, le, le CEO en tout cas du studio. Enfin, euh, voilà quoi. On a eu tout de suite une entente. On a travaillé en tout cas pour avoir une première bande dessinée. Euh, on va dire qu'on on va appeler ça une, un échantillon parce que ça fait à peu près 12 pages. Alors, c'est finalisé, euh, mais on compte l'utiliser plutôt comme asset marketing. Mais surtout aussi, c'est un autre moyen pour nous, enfin, c'est dans, toujours dans l'idée voilà, trans, de transmédialité, c'est un moyen pour nous aussi de communiquer une autre. Enfin, euh, de sensibiliser justement à l'albinisme de manière un peu plus. Euh, voilà, un public en tout cas un peu plus large. Oui. Parce que voilà, c'est des images, c'est accessible, c'est facilement. Les plus petits comme les plus. Enfin, peu, peu importe, en tout cas, c'est tout simplement c'est plus accessible en tout cas même euh, enfin voilà à s'asseoir devant un jeu vidéo pour, pour certains c'est voilà oui, c'est oui, du tout temps à fait. Euh, mais là du coup cet cette cet, cet là ça nous permet vraiment de jouer sur la sur la carte de la sensibilisation euh, étendre, en tout cas l'univers du jeu et euh, tout simplement voilà quoi commencer à parler en tout cas du du projet quoi Super intéressant. Ouais. Bon. Et euh, vous avez déjà une, une idée de sortie potentielle C'est ah, toujours les questions compliquées. Oui. Hein, mais <laughs> Je dis toujours autour de 2024, mais euh, enfin voilà, quoi, dans, dans l'idée. Euh, voilà. Oui, c'est encore dire... dur d'avoir, quand on est plutôt sur le début, même si oui. c'est quand même déjà bien avancé, euh, c'est dur d'avoir une, une fenêtre. mais. Oui, ben, j'ai pas envie de, de mentir. Oui, oui. on l'idée, c'est courant 2024. En tout cas, ça a été décidé comme ça, mais bon, enfin, oui, voilà, on verra est... bien en fonction. Oui, voilà, exactement. Oui. Tout à fait. Potentiellement ah. euh, futur Game in France, euh, Game in France, il euh, bah, serait... ouais, moi a Ça serait. Moi, je dis pas non. Hein. Déjà, ça me fait plaisir d'être là. Donc. Euh, voilà. Mais en attendant, les gens peuvent aussi aller sur euh, oui. les réseaux sociaux de Byman Studio oui. si vous voulez euh, oui. en savoir plus. Ça va être. Euh, ça va oui, oui c'est spamé dans le chat. Ah, euh, donc, euh, donc voilà. Bah, pour pour l'instant, on n'a pas encore euh, développé. Enfin, il y aura un Discord, en tout cas, de. Enfin, voilà quoi, qui sera bien alimenté. Là, on y est vraiment. On va commencer à communiquer un peu plus, en ouais. tout cas, partager ouais. un peu plus d'images là-dessus, parce que du coup, on a quand même une avancée qui nous permet de, de le faire et, et permettre, en tout cas, à nos publics, fin, à nos communautés, en tout cas, d'en savoir un peu plus. Ouais. Donc euh, voilà, ne là, vous y inquiétez y pas, ça y va. Il y a des euh, playtests qui sont possibles, ce genre de choses sur le jeu. Si alors les gens on, veulent faire on, des retours. Oui, alors on avait déjà playtesté en tout cas, mais c'était plus un prototype dans le sens où on n'avait pas toutes les mécaniques. C'était vraiment un prototype d'ambiance enfin j'appelle ça un prototype d'ambiance, c'est vraiment ouais. euh, voilà fournir un peu euh, globalement qu'est-ce qu'on voilà, qu qui qu ce qui se passe dans le jeu, ouais. qu'est-ce qu'on voilà, quoi. Mais euh, là la prochaine démo on la prévoit autour de novembre et ah. enfin euh, voilà quoi, c'est on va lancer les prochains playtests justement autour de, de, autour mm. de novembre. Ouais. Super. Ouais. Top. Donc on les, on les laisse se rapprocher plutôt de vous ou d'Afro Gameuse s'ils veulent euh, les deux parce que du coup on a organisé aussi des playtests avec Afro Gameuse ah, du coup ça c'était le premier enfin dans le partenariat en tout cas dans l'idée de travailler ensemble c'est l'une des premières actions en tout cas qu'on qu qu a faites. Enfin, top voilà. exactement bon. Et eh bien, novembre, si vous avez envie de faire le playtest, le message est passé C'est ce que j'allais poser comme question. Donc, vis-à-vis d'AfroGameuse, vous avez réussi à recruter un petit peu comme ça dans votre équipe euh, Oui. Et qu'est-ce que vous faites d'autre avec, avec l'association Alors là, on commence pas mal en tout cas les premières actions. Enfin, là pour l'instant, c'est vraiment être... moi en tant qu'AfroGameuse, en fait de base, je suis membre AfroGameuse. Mmh. Donc, en dehors du studio, en fait, je, peux... enfin, je participe en tout cas aux événements qu'elle met en place. Oui. Et. Euh... Justement, en fait, d'inspirer en, fait, en tout cas toutes les personnes qui veulent apprendre plus sur la création de, de, du studio. Donc, on est un peu, on est dans la même, en tout cas, on a les mêmes objectifs. En tout cas, on, et on fait moi tout ce qu'elle me propose. Euh, J'essaye en tout cas le plus possible d'être d'être partante pour le faire. Et avec le studio, on prépare quand même, euh, voilà, au fur et à mesure. En tout cas, on essaie de préparer des choses vraiment ensemble. Mais on commence tout juste à communiquer là-dessus. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est pour ça que c'est un peu, enfin voilà, pour l'instant. On est un peu lent par rapport à tout ce qui est... Mmh. Voilà, on aurait dû avoir plein de... de, de pas mal d'images à partager, etc. Mmh. Mais là, on, justement, c'est avec elle qu'on qu veut aussi commencer ça. Donc, voilà. Super. C'est vrai qu'il y a eu des, 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 des plans où on a pas mal travaillé ensemble, dans le sens où Ténica a aussi un, un background de motion et de sound designer. Oui. Euh, donc, c'est un métier, pareil, donc, voilà, on n'entend pas forcément souvent parler, mais mmh. un des objectifs de l'Asso, c'est aussi de démocratiser un petit peu les métiers parce que les gens ont envie, les gens jouent aux jeux vidéo, les gens adorent passer leur temps là-dessus en tant que loisir, mais ils ne pas forcément qu'il y a de véritables métiers derrière. Donc... Euh, le but, c'est de, de, de mettre en avant un peu des rôles modèles que je considère aujourd'hui que Téninké es, en est un, euh, que d'autres yes. personnes puissent s'identifier à travers elle, se dire qu'elle ah, ben, a fait ça comme, comme parcours, elle en est là aujourd'hui, peut-être qu'effectivement, je peux me voir aussi à travers ça. Mmh. Donc, il euh, y a ça, il y a le fait de, 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 de mettre en avant son métier, de mettre en avant son studio. Là, ça fait partie d'un des gros objectifs qu'on a sur l'année avec Afro Gameuse, avec Blindman Studios, c'est euh, peu sont les afro afrodescendantes afro pardon, qui, qui, qui vont bah, développer des jeux vidéo, qui ont leur propre studio. Donc forcément, nous, on va mettre beaucoup l'accent sur les mettre en visibilité, parce que là, je pense que tout le monde l'a vu, tout le monde était d'accord sur les images qu'on a vues. C'est un, un jeu qui est hyper inspirant, qui mm -hmm. envoie un message assez important. Donc forcément, on va faire en sorte, de, avec le réseau qu'on a, avec les personnes qu'on a, de mettre en avant ça autant que possible pour qu'au moment où ça sorte, ben, ça pète et que les gens, les gens aillent tester, que d'autres personnes puissent en profiter. Quoi. Et probablement le côté très inspirant qui va avec. Exactement. Exactement. Est-ce qu'il y a aussi euh, d'autres studios, peut-être, avec lesquels vous collaborez, des choses qui vous ont ouais. marquées euh... Oui, ben, on, a fait, euh, on, a, on a plusieurs studios avec qui euh, dont on est partenaire. Euh, on a travaillé avec Ubisoft notamment, euh, puisqu'on a institué avec un partenariat avec Ubisoft où euh, ensemble on a organisé des sessions de coaching avec des membres de l'association qui sont donc majoritairement des femmes et aussi des femmes afrodescendantes. Euh, donc Ubisoft, Ubisoft est venu avec Women in Games et Afro-gameuse partager l'expertise de leurs recruteurs pour leur expliquer comment. Euh, mieux s'introduire quand on veut euh, postuler à un job dans le jeu vidéo comment euh, faire son CV comment enfin euh, euh, tout plein d'astuces en fait que les recruteurs connaissent mieux que personne d'autre mm. ça c'est le type d'action qu'on a fait avec Ubisoft on a travaillé avec euh, on a un partenariat avec Homo Ludens avec euh, Amplitude Studio aussi euh, également Casus Ludi euh, Maratius Games qui est un studio belge aussi qui a fait le jeu Arisen avec qui on a oui. pas mal travaillé également. On en a parlé un peu, oui. Voilà. Ouais. Hum, donc c'est cool parce que tout ça, ces studios-là, c'est des gens qui viennent vers nous directement. En, en seulement deux ans en plus. Oui. Euh, ce en que deux je ans, dis. donc c'est. Ouais. Je trouve que ça montre une envie en fait de faire évoluer les choses et c'est le plus important en mmh, fait mmh. aujourd'hui. Hum, je trouve ça hyper intéressant que des studios viennent vers nous aussi et que ce soit pas l'inverse, qui soit forcément fait. Mmh. Hum, je trouve que ça prouve que. Ils ont envie de faire évoluer les choses, ils ont envie de faire des choses très concrètes également. Donc dès qu'on a la possibilité de faire venir sur sur nos événements ou d'organiser des choses avec eux, mmh. c'est des choses qu'on fait et bah, on espère que ça va continuer pour la suite. Quoi. Ça, ça montre qu'il y a peut-être une demande et peut-être quelque chose qui manquait sur cet aspect-là, oui. d'un point de ouais. vue. Euh... Je pense que l'un des l'un des points qui revenait souvent aussi quand on parle d'inclusivité, de diversité avec les studios et dans le monde du jeu vidéo, mmh. vous avez des recruteurs qui vous diront, bah ouais, mais je sais pas où trouver euh, ces profils. Je veux mmh. bien que mes équipes soient plus diverses, etc. Mais euh, je sais pas où les trouver. Et en fait, concrètement, avec Afro Gameuse, on n'est pas juste une association de joueuses. Oui. On a également euh, des créatrices de contenu, des streameuses, mais aussi des personnes qui travaillent déjà dans le jeu vidéo et des personnes qui font des études dans le jeu vidéo ou hors du jeu vidéo qui ont envie de travailler dedans. Donc, c'est déjà des personnes qui sont activement en train de chercher à travailler dans le domaine. Mmh. Et à travers euh, AfroGameuse, en fait, ces recruteurs, ces entreprises vont pouvoir avoir une plateforme ou aussi venir sourcer des talents. Donc, euh, je pense que c'est un moyen un peu plus simple, un peu plus accessible aussi pour eux, euh, de publier des offres d'emploi, de nous demander si on a des personnes qui ont mmh. tel ou tel profil et qu'on puisse faire euh, des recommandations. Oui, faire le lien. Exactement, fait, euh, entre on deux. est un intermédiaire. Ouais. Et, euh, et justement, là, bon, aujourd'hui, euh, Game Made in France, est-ce que vous avez euh, des événements clés, peut-être que ce soit l'une et l'autre, hein, d'ailleurs, des événements clés qui arrivent euh, ouais. euh, prochainement oui, 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 très bonne question. <laughs> on a un événement le 8 octobre prochain, en fait, ah. euh, à Paris. Donc, ça va se dérouler à la Cité des Sciences. Teninke ouais. y sera, d'ailleurs. Mais on va recevoir euh, plusieurs personnes de studios différents. Donc, euh, on aura euh, Dana de Arcane, euh, Arcane euh, Lyon, ouais. Euh, ouais. Euh, qui a travaillé sur Deathloop, et qui est ouais. campaign director. Donc, elle viendra parler de son parcours euh, en tant que femme dans le jeu vidéo, en tant que femme trans aussi. Euh, L'événement s'appelle Game Changers et en gros c'est un événement où, qui va être vraiment axé autour de l'inclusivité parce que ce genre d'événement n'existe pas vraiment en France aujourd'hui. Et on fait venir plusieurs personnes qui vont simplement venir raconter un peu leur parcours, leur expérience, parler de leur métier. On aura Dana, on aura une personne de chez Ubisoft qui est là depuis 35 ans aussi qui va venir nous raconter comment elle a monté les, les échelons. Stéphanie viendra parler euh, de Blind Frontiers. Euh, on aura euh, des personnes de chez Dontnod qui vont venir oui. également. Euh, Amplitude aussi, Homoludens aussi. On essaie d'impliquer nos partenaires aussi dans, dans tout ça globalement. Euh, et, et le but de cet événement, c'est de parler de comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses. Donc euh, aussi bien pour euh, faire évoluer les choses dans le sens des studios, mais aussi pour les personnes qui ont envie de travailler dans le jeu vidéo. Mm -hmm gros gros événements autour du, du, du rôle modèle en fait de la mise ouais. en avant du rôle modèle je dis toujours aux personnes qui, euh, qui euh, font des études dans le jeu vidéo ou en dehors aux personnes qui euh, sont en reconversion euh, bah, de venir parce que c'est le moment en fait de venir parler euh, avec ces gens-là qui sont déjà dedans. Euh, donc, ça se passe le 8 octobre à la Cité des Sciences. C'est ouvert. Euh... Ah oui, voilà, il faut s'inscrire quand il même. Il faut s'inscrire. C'est un événement payant aussi. Euh, pour la première fois, c'est le premier événement qu'on fait euh, qui est payant. Euh, je crois que c'est à peu près 10 euros, euh, quelque chose comme oui, ça. Euh, donc, ça reste, euh, ça reste abordable, je pense. Et euh, voilà, il faut s'inscrire sur afrogameuse.com. Merci pour le lien. Là, voilà. <laughs> Ils sont très réactifs. Hein, <laughs> c'est top. <laughs> Et euh, l'autre chose qu'on fait aussi avec cet événement-là, on lance notre programme de mentorat. Euh, donc, c'est le jour même où on va pouvoir lancer ça. Grâce aux partenaires qu'on a, grâce aux personnes qui sont impliquées et engagées avec l'association, on veut faire en sorte de mettre en relation ces professionnels avec ces personnes qui ont envie de travailler dedans sur un temps de 5 à 6 mois où elles pourront échanger euh, régulièrement pendant, euh, pendant ces 6 mois-là, avec l'objectif qui est de. Euh, les aider à trouver un emploi plus tard. C'est, en tout cas, les faire évoluer vers leur objectif professionnel. Mmh. Voilà. Donc, euh, venez, on vous attend. Et puis, euh, ça va être trop cool. Super. Super. Je mmh. pense que et le message coup, est passé. Et, et, <laughs> et, et du coup, euh, toi, Téninke, c'est quoi le, la prochaine étape euh, du jeu, j'ai envie de dire, euh, au-delà de, aussi de cet événement bah, Au-delà de, de cet événement, nous, on va chercher, on va commencer, en tout cas, à s'approcher, en tout cas, enfin, chercher tout simplement un publisher pour euh, ouais. financer et marketer le jeu. Donc, on participe, en tout cas, à la Game mmh. Connection. Euh, ça, euh, j'ai euh, passé. <laughs> voilà. C'est ça que je pointais la caméra, regardez-moi, regardez. -moi, clin regardez -moi. Non, non, on participe en tout cas à la Game Connection. Oui. Bon, C'est un événement pro en tout cas justement où on va. Enfin, grâce en tout cas à Game Only encore une fois parce qu'on est, est adhérent en tout cas à Game Only. Mm -hmm. On participe en tout cas à la Game Connection pour justement commencer à trouver, à chercher, enfin, à, à aller taper aux portes et voilà quoi on Bien ça en tout cas mais voilà on attend il y a d'autres événements pro qui arrivent mais qui sont pas encore validés donc de toute façon je peux pas en parler mais c'est celui en tout cas qui est le plus enfin, oui. voilà, qui est posé qui est carré et qui okay. arrive et euh, concernant euh, concernant le jeu, là, vous en êtes dans quelle phase Alors, on sait euh, quoi la prochaine étape dans le jeu en lui-même. Alors là, on en a l'étape de la vertical slice. En fait, c'est tout simplement une démo avancée, en tout cas où on met voilà, on a, on a on met toutes les briques, enfin voilà, toutes les mécaniques cette fois par rapport au prototype et aux images qu'on a vues euh, en tout cas sur le clip que qu'on ben, enfin, qu a qu'on a vu tout à l'heure, euh, on, on arrive plus à une phase de démo où non seulement on pourra la faire, on pourra en tout cas tester enfin euh, voilà, comme, comme j'ai dit auparavant, mais aussi on pourra en tout cas la communiquer à de potentiels invest, de potentiels partenaires financiers et euh, on continue, enfin à partir de là en tout cas on, on se dit qu'on continue en tout cas à la production en tout cas du jeu pour voilà on, on a on a notre preuve en tout cas de, de, de concept euh, le, enfin voilà le Enfin, ça fonctionne entre guillemets. Oui. Ça, il y a, enfin, on a déjà eu des premiers retours en tout cas qui étaient positifs. Super. Donc là, on continue en tout cas tout simplement à évoluer, à avoir une, une version finie, quoi. Ouais. On <laughs> avance. Voilà. <laughs> ben, on... Vers cette, ouais. vers cette version finie. Ok. okay. Tout ce qu'on qu vous souhaite, en tout cas. Merci. Euh, là, là, actuellement, sur, sur votre site web, donc, du coup, vous, pro, vous proposez un petit peu tous les. présenter présentez tous vos projets, toutes vos actions. Euh, ouais. Quelqu'un qui veut vous contacter pour n'importe quel projet, vous avez, je pense, une, une adresse pour ça Oui, oui. Oh, bah, on... Nous, en fait, on est hyper actifs sur les réseaux sociaux. C'est ouais. vraiment grâce à ça qu'on a réussi à un petit peu faire connaître l'association. Oui, c'est comme ça que vous avez commencé. Ouais. C'est ça. Donc, sur Twitter ou Instagram, par exemple, euh, on est très facilement, euh, j'allais dire, contactable, mais ça ne se dit pas. Euh, on peut nous contacter via les réseaux sociaux, mais sinon euh, sur, euh, un sur par plutôt. mail, voilà, ouais, par oui. mail, <laughs> ou sur le site, ouais, voilà, ouais. à travers le site, mais apparemment ils ont cassé le site, d'après ce que j'ai vu. Aïe, 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 aïe. <laughs> mais euh, sur, sur afrogameuse.com pour les personnes qui n'ont qui pas réussi à, à y accéder. Dès que vous descendez un petit peu, vous voyez en fait directement que... Game Changers aura bien lieu le 8 octobre et non pas euh, l'édition de l'année dernière. Ah oui, oui, oui. Quelqu'un <laughs> que, quelqu oh, voilà, a mentionné ça. Ce sera diffusé d'ailleurs en live Ce ne sera pas diffusé en live, ah, malheureusement. Okay. Euh, Mais oui, c'est payant. Voilà, exactement. Ouais, Mais par contre, il y aura les replays, certainement, on l'espère, plus ouais. tard euh, sur YouTube, euh, qu'on ouais, mettra à disposition. Voilà, histoire que ce soit accessible, parce qu'il y a voilà. quand même beaucoup d'invités voilà, intéressants. Il y a ouais, monde, donc, euh, on veut oui. garder ce contenu, donc bien sûr, ce sera accessible. Ok, bah, super est-ce qu'on en a encore un petit peu de temps ou pas On a encore quelques minutes, oui. Ouais, si J'aurais voulu savoir, ouais. euh, parce que j'étais tombée sur la, la conférence de GameCamp. Moi, ouais. je n'y étais pas, mais j'ai vu après sur euh, l'érudif YouTube. C'est quelque chose que vous faites souvent, des euh, prises de parole comme ça sur des sujets, des thématiques spéciales Oui, absolument. Euh, en tout cas, je suis un peu devenue, euh, malgré moi, hein, euh, <laughs> porte-parole sur ces sujets-là spécifiquement, ah bah ouais, ouais. Euh, sans, sans vraiment le, le chercher. Mais oui, je pense que c'est important de faire ces prises de parole. Euh, pour euh, apporter un certain point de vue, peut-être qu'on n'a pas forcément beaucoup entendu. Euh, moi, je suis toujours OK pour euh, en discuter, et je sais que c'est des sujets qui vont certainement aussi faire débat, euh, qui vont euh, parfois être un peu controverses auprès de, de, de certaines personnes, mais euh, on, je crois beaucoup, en tout cas, dans ce qu'on fait avec Afro Gameuse, et c'est un engagement qui, au final, est quotidien. Euh, quand on est un joueur ou une joueuse aussi, euh, aujourd'hui, mmh. je pense qu'on est tous au courant du fait que il y a un certain côté toxique euh, dans le monde du jeu vidéo qui n'est pas forcément quotidien, qui n'est pas forcément tout de suite visible. Mais les gens oublient qu'on euh, a appelé l'association Afro Gameuse pour une raison mmh. c'est que les femmes et les femmes afrodescendantes noires vont être vraiment à l'intersection entre le sexisme et le racisme qu'elles vont subir euh, dans le monde du jeu vidéo. Mmh. Et malheureusement, c'est un fait. On le voit avec les streameuses qui sont sur Twitch et qui vont voilà, avoir des personnes qui vont voilà, proférer des, des, des insultes et bref des propos haineux au quotidien. On le voit quand on joue aux jeux vidéo et que on nous dit euh, retourner à la cuisine, etc. Euh, tout le monde sait ce que, ce à quoi ça ressemble maintenant. Classique. Classique, ouais, un voilà. Classique. Malheureusement. La Malheureusement classique. La routine. Qu'on ne relève finalement même plus, c'est ça qui est C'est ça, c'est ça, ça. Exactement. Donc euh, je pense que quand on commence à savoir que ces choses-là existent et qu'on en prend un petit peu conscience, c'est important de se dire que bah, soit on fait quelque chose pour essayer de changer ça, soit euh, bah, simplement on subit ou, euh, on, ou on laisse passer. Et on a vraiment décidé de rester d'être actif ouais. euh, là-dessus, euh, voilà. voilà. Et vous avez des, si quelqu'un vous contacte justement pour en cas de problème au ouais. travail, ouais. alors que ça soit une streameuse voilà chez elle mmh. ou dans, au sein d'une société, ouais. vous avez mis en place quelque chose pour ça, une? Une cellule d'écoute, entre guillemets, même mm. si ce n'est pas forcément votre métier En fait, les membres de l'association sont beaucoup sur Discord, c'est vraiment notre plateforme clé pour communiquer un peu avec tout le monde. Euh, on le fait effectivement, c'est un peu un espace d'entraide et de safe space aussi. Mm. Donc on le fait effectivement à travers Discord, mais c'est vrai que moi j'ai malheureusement des personnes qui me contactent, euh, qui travaillent dans des studios, euh, qui me disent à quel point c'est dur parfois. Mm. Et il euh, n'y a pas encore de processus euh, mis en place ou quoi mais je pense que la première étape, c'est effectivement l'écoute, et ensuite, moi, dès que je peux le faire, quand j'ai des personnes que je peux contacter, des réseaux euh, par rapport à ça, euh, j'essaye de relayer aussi. Donc, on va travailler par, pas mal avec euh, Women in Games France, oui. qui fait aussi pas mal d'actions euh, en ce sens. Et c'est important aussi de ne pas être tout seul dans son coin à gérer des choses, mais aussi euh, s'aider en fait des autres associations qui existent et qui mettent déjà des choses en place. Ah oui. On les a reçues hier justement. Oui. voilà. Mmh. On vous se vous serez à, à, à PGW, là peut-être On sera à la PGW okay. justement avec Télinké. Okay. Euh, on sera sur, sur le main stage pour euh, bah, justement avoir une discussion comme celle qu'on vient d'avoir. Okay. Euh, là, aujourd'hui, c'est sur Twitch et à la PGW, ce sera en présentiel. Donc, euh, euh, quand tu dis donc, main je stage, c'est sur une scène vraiment avec, euh, avec Capital Games. Avec euh, Capital Games. Voilà. D'accord, ah, génial. Okay, okay. Yes. Si vous êtes, on, on se reverra là-bas. Ouais. Euh, C'est encore en négociation. Ouais, non, on est en train de voir. Euh... Non mais vraiment, en fait, on ne sait <laughs> pas. trop. Ouais. On va, on va, on va, on va. Mais si Donc vous y êtes, n'hésitez pas à passer Venez nous voir. voir voilà. ça. <laughs> exactement. Bah écoute, euh, je pense qu'on a fait cas. un super tour de tout ce que vous aviez à nous dire. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose à dire, un petit mot de la fin, euh, chacune, euh... que que, alors que ça soit sur vos activités respectives ou pour les personnes qui peut-être sont intéressées par l'association ou voudraient euh, voilà. peut-être rejoindre le studio. Euh... Ah, pas tout de suite pour rejoindre le studio. Calme-toi, Madame. Mais non, mais dans, dans, un futur, dans un futur, sans doute proche, mais en tout cas, enfin euh, voilà, n'hésitez pas à vous connecter. Hein, on est, on est accessible. On ne mange personne. Euh. <laughs> non, mais euh, plus plus sérieusement, en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre. De toute façon, on va être beaucoup plus de plus en plus actifs en tout cas, sur les réseaux pour montrer, en fait, tout simplement, voilà, comment comment on évolue, ce qu'on a, enfin voilà quoi. Tout simplement tout ce qu'il y a autour du jeu et et voilà, si vous nous suivez et vous êtes assez assidu, en tout cas, vous aurez la chance d'avoir la BD gratuite. Ah oh oh euh... moi, je l'ai pas. Super. <laughs> tu sais comment leur parler, c'est bon. <laughs> ah, bah, et moi, tout vous... ce que tout ce que j'aurais à dire, c'est ouais, continuer à, à suivre suivre aussi ce que fait afrogameuse sur Instagram, Twitter, etc. Et euh, si vous connaissez aussi euh, des Afro dans la vraie vie, dites leur de nous rejoindre. Si vous, vous avez envie de venir parce que vous avez envie de participer, en fait, à cette cause, bah pareil, euh, rejoignez-nous. Et puis, euh, voilà, on devient une grande famille contre la toxicité. Mais oui. <laughs> Top. Important, important. Message qu'on ne dira euh, jamais assez. Effectivement. Bah écoutez, c'était euh, génial. C'était super intéressant. Oh, J'espère ouais, que vous reviendrez aussi l'année prochaine pour, euh, pour voir un petit peu où en est l'association d'un côté, le projet de l'autre. Oui, c'est toujours et intéressant euh... de voir évoluer au fur et à mesure ah ouais, des gaming cool, in France. Hein. Et merci beaucoup pour le, tout le love dans le chat. C'est oh, ouais, adorable dans le chat. Merci beaucoup. <laughs> alors, euh, nous, on va, euh, on va enchaîner. Eh bien, oui, c'est euh, fini pour les associations. Effectivement. Voilà, y en a vous plus. étiez voilà. la dernière association de. de le de meilleur ce... pour la fin, c'est ça bah ouais. Exactement. <laughs> Exactement. Les nouvelles. Et euh, du coup, nous, on va enchaîner avec. Euh, le gaming. Euh, du gaming, effectivement. Oui. Euh, c'est Atou qui va venir et qui va ouais. nous parler. De... C'est le jeu de drone. Tu sais Attends, mais il n'y a pas... Ah non ou pas Ah non, il y a... Ah non, a... euh... ah il y a un créneau libre. Il y a un créneau ont, libre ils nous, ont, ils nous ont dit on vous met une demi-heure, Ah trois non, c'est les jeux étudiants. Vous étudiant, fait ce réagit. que vous voulez. Ah oui, ah oui c'est les voilà, trois quarts d'heure on fait ce qu'on veut. Très bien, très non. bien. Non. Tout de suite, freestyle ah bah avec... Un petit euh, café. Probablement euh, Mister MV qui doit être enfin réveillé, Atomium qui a décuvé son jus d'orange. Tout ça, c'est dans quelques minutes. À tout de suite, on revient.